C'est quoi ce bordel? Mais elle est dégueulasse ton ardoise. Mais lave-la moi là. Hein? Et t'as chié dessus ou quoi? Allez, file-moi ça là. File-moi ça. Hey! Comment ça va tout le monde sur le campus de la Solty Academy? Est-ce que, comme la dernière fois, il va y avoir une personne qui va s'en sortir avec un 9.5 sur 10? Ou peut-être même un 10 sur 10? N'oubliez pas, à la base, il y avait aussi ici le Hall of Fame. Si toi aussi, ce soir, tu penses pouvoir inscrire ton nom ici, sur le Hall of Fame, alors participe aux Teachers et fais-nous voir à quel point tu connais Rainbow Six. Hein? Allez, on passe dans le... On passe aux choses sérieuses. Pousse-toi, toi! Alright, I've got to show you guys. I'm in pro league. Ok, vous pouvez déjà commencer dans le chat à mettre des idées de noms d'équipe. Hein? Voilà, alors... Oh non, ça sert à rien. Non, oublie ce que je viens de dire. Je sais déjà dans quoi vous allez partir. C'est mort, machin, Boubacari, Macron gilet jaune et tout, chocolatine pas au chocolat. Tu vois, regarde, l'autre il... Tu vois, j'allais la mettre celle-là. Alors, du coup, je vais laisser Blue Team Orange Team, ça ira très très bien. Donc on partira sur Coastline et on va laisser Blue Team contre machin Team. Ou alors on va leur demander à eux. Hein. Le premier qui fait une blague de travers, je le défonce. Salut les noobs, ça va? Ça va et toi? Bonsoir. Ça va et toi? Bonsoir. Ok, vous êtes chaud? Très chaud. Flashover, c'est quoi le nom de ton équipe? Ok, Flashover, t'es ça mort. C'est quoi le nom de ton équipe? Donne-moi le nom de ton équipe, vite. Négatif. Négatif, ok, d'accord, très bien, Négatif e-sport. Et Nuti, c'est quoi le nom de ton équipe? Les Copper 10. Tu es comique de profession, Nuti, ou... Exactement. D'accord. Non, c'est l'équipe qui a choisi, c'est pas moi. D'accord, ok, dans ta région. Toujours rester la faute sur les autres, c'est extrêmement important. Mais Nuti, il est déjà dans le Teachers il y a 2 semaines sur Café, il est chaud. Mais c'est normal qu'on revoit les mêmes en Teachers. Je ne gère pas le Teachers. Hein, comme vous l'avez vu tout à l'heure, l'important c'est de rejeter la faute sur les autres, toujours très très très, très important. Hein, je ne gère pas le Teachers. Hein. Moi c'est simple. Hein. J'arrive et après je me retourne vers le responsable des opérations du campus de la Solty Academy. C'est Forlay. Hein. Et après, il se démerde. Hein, voilà, il se démerde. Et après, lui, il va voir d'autres personnes et il délègue la responsabilité et à la fin, c'est la merde. Uplay has detected an error. It can't recover from and must shut down. Crash jump created. Du coup, c'est parti. Première question, on va sur qui? 6-4 sur le mec qui se la pète le plus. Qui est-ce qui se la pète le plus? Ah, il faut que je devine qui est-ce qui se la pète le plus. Alors, normalement, les mecs qui se la pètent le plus, ils ont des pseudos hyper sérieux, tu vois. Donc, regardons, à votre avis, quel est le mec qui se la pète le plus avec les pseudos. Rayer.ovs et tout, machin. Wera, ça, c'est le truc. Ça, c'est le bon pseudo du tryharder avec des H, des Y et tout. Virus, non, c'est pas possible, il a 15 ans. Omar C, voilà. Nutty. Naughty avec les 3 petits points, tu sais, genre un peu mystérieux et tout, tu vois ce que je veux dire? Eh, Naughty, vous êtes d'accord? Voilà. Moi, je dis, à mon avis, le mec qui se la raconte le plus, c'est Wera. 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 Wera.q, tu vois, tu... Hein? Ok. Oula. Ok. Donc là, bon, lui, il est en mode droning. Ce qui est pas dégueulasse au demeurant. On était parti chercher les roamers. Je n'aime pas trop le côté de droner vraiment très 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 loin du... De pas avoir de possibilité de revenge ou de rentrer dedans à un moment, tu vois. Ah ouais, droner pour les autres, c'est bien, poulet, mais... Drone... Aurémius! Dans mon bureau! Y'a un truc qui colle pas là! Le mec c'est un smurf! Son pseudo c'est de la m.
Il a pas un skin sur le dock. Il sait jouer dock, mais il prend un holographique. Et les pré-shots et les positions et la façon de jouer sont parfaites. Donc on est en train un peu de me prendre pour un con là, non? On va noter le doc du coup. Et donc du coup, je vais faire un alt tab et vous avez décidé de mettre la note de 10. Mais d'un autre côté, laissez-moi quand même re-regarder parce que là, on se trouve avec un problème majeur avec cette personne. Hein, et je mets la note de 9, vous le savez. Hein, parce qu'il ne faut pas me prendre pour un con. Pas de skin, ok, mais un holographique sur le MP5, je dis non. Hein, je dis non. On va sur la deuxième personne qui a le plus de kills. Universe. Qui nous joue un MP5. Et qui se fait défoncer la rondelle, forcément. On va aller prendre l'attaquant qui l'a défoncé. Ouais. Merci infiniment Trident pour les 18 mois de frais de scolarité. Merci beaucoup, merci. Ah, il est toujours avec vous sur Discord. Ok, allez. Bon bah, Five est à 11 kills. On n'a pas noté Wera du coup. Allez, on va le voir. Qui nous ouvre une kitchen. Allez, faisons les choses proprement, comme d'habitude. Le crosshair placement n'est pas bon. Je sais pas si vous le voyez, on est encore une fois de plus trop bas. Le premier truc que je vais demander à Wera, ça va être de lui dire « T'es un ancien joueur console ?» Là, virus, c'est très mauvais. Le fait d'avoir vu l'explosion de la charge, faut être soit agressif, soit tu te barres, mais tu peux pas rester comme ça. Ok. Ouh. Putain, il l'a vu, il l'a revu. Il va nous mettre la ISO de l'autre, tu vas voir, en 1v5. J'espère qu'il revient. N'hésite pas, Remius, à revenir me dire si il revient. On va noter la Ibana. Ok, donc du coup vous avez décidé de mettre la note. Bah du coup j'ai pas mis la mienne. Et je suis assez d'accord du coup. Et sans vouloir vous copier, moi j'aurais mis 6,5 et vous avez mis entre 6 et 7. Donc je suis vraiment d'accord avec vous pour le coup. Pour les raisons qu'on a pu donner. Plutôt la flash, plutôt le... Voilà, c'était pas... disons que ce qu'elle a fait c'était très bien. Mais quand on dit souvent il faut jouer l'opérateur... Quand on dit souvent il faut jouer l'opérateur et la position de l'opérateur. Là en l'occurrence... Non. Non, non. Non, non, non. Non. Sans déconner. Ok, abandonner le match. C'est parti. Si ça recrache encore une fois, si là, quand je lance, ça ne marche pas, escape from Tarkov. Et j'en serais vraiment désolé. Hein. Mais bon, il y a un moment, faut pas déconner. Ok. Du coup, allez, c'est parti. Wouh ! Allez, ok. On va voir qui. On n'a pas vu Nutty. Il y en a qui vont partir manger là, machin, là. Avec la nouvelle Ela en plus. Il va nous faire une canto. Boum ! Dommage. Gros turn dans ta tronche. Ok. On va aller voir Super Marco, malheureusement, parce que la Ela on va pas pouvoir la noter. Putain. Et du coup ça fait pas du beau jeu parce que tout le monde s'excite un peu après ce qui s'est passé. Donc du coup ça a fait de la merde avec des sorties, double sortie etc. Et du coup c'est pas notable quoi. Je peux pas noter Neil Sledge là avec sa grenade pourtant complètement pourrave. Je peux pas noter la Ela qui s'est fait sécher. J'aurais bien noté la Ibana qui visiblement fait une moins 3, mais bon, sur une sortie hasardeuse des personnes, on va noter personne pour ce round. Rayer STP, ok, d'accord, c'est bon. Et putain, l'autre, il a amené son fan club avec lui, quoi. Voilà. Vous voulez lui, là? Ah, déjà, il sait pas faire des trous. Déjà, ça commence mal. Hein? Il aurait pu faire les trous en utilisant moins de cartouches. Quand vous jouez un smoke à un endroit... C'est absolument génial d'être le bon poteau qui fait les trous de rotation. Très très bien. Soyez un tout petit peu plus égoïste aussi de temps en temps. Et préparez aussi les trous par lesquels vous allez jouer vos smokes.
Ça sert à rien de jouer un smoke pour jouer le shotgun. Il y a d'autres... Et ça sert à rien de jouer un smoke shotgun si c'est pour challenge un mec qui est en rappel avec une hache, quoi. Là, il y a une erreur énorme de la part du smoke, tu vois. Donc vous vouliez railler, bah y a pas de problème les gars, mais je vous dis, la note, elle va pas être sympa. Du coup, vous avez décidé de mettre à railler la note de 3, j'ai mis pendant ce temps-là 3,5. Donc là, pour le coup, on est d'accord pour les raisons que j'ai données. Oh non, Uplay has detected an error. It can't recover from and must shut down. Crash dump created at c.programfile Ubisoft. Blablabla. Ok, donc Uplay a crash, mais le jeu continue. Vous l'avez eu ce truc là aussi là ? Ouais, je vous le montre parce que depuis tout à l'heure. Ah si je montre. Oula, ça lag. Oulala. Oulalalala. Relance R6. Mais c'est la cinquième fois que ça crash quoi. Mais ce truc quoi. Uplay qui déconne. Je veux pas être sarcastique. Après on va me le reprocher. Hein ? Mais quelque part, Uplay. Mais pas trop, en fait. Hein ? Voilà. Alt F, puis-je me permettre de faire un Alt F4 ? Alt F4. Ça ne marche pas. Alt F4. Alt F4. Alt F4. Alt F4. Alt F4. Alt F4. Putain, le fils de pute dans le cul de ta mère. Mais putain, je le merde ! Oulala. Ouh là 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 là.